que t'as senti avec le loup? Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez aussi bien que moi aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouvel hôtel. Alors, ce week-end, je vous ai emmené avec moi au Lodge Tamara, situé à La Possession, dans les Hauts de La Possession. On a pris une nuit dans la suite romantique, juste pour passer un petit week-end ensemble. Je vous avoue que, en fait, comme on n'a pas voyagé cette année, on s'est dit qu'on allait profiter à La Réunion du coup. Donc quand on a envie de prendre un hôtel, on prend, quand on a envie de
aller se promener, on va se promener, même s'il y a confinement, etc. Bon, on sait pas trop, j'ai envie de vous dire. Donc je m'en fous, mais si demain je dois mourir, ce sera pas parce que j'étais enfermée chez moi à rien faire. C'est hors de question. Je voulais tellement faire cet hôtel-là. Et donc on est arrivé hier, on a eu notre chambre et tout. Vraiment j'adore la vibe, ce petit chalet dans les bois, c'est trop bien. C'est super beau. Le personnel est très gentil, très accueillant. Et c'est ultra reposant. Enfin, c'est vraiment l'endroit si vous voulez vous reposer, entendre le coq. Puis en même temps que je parle. Je vous montre vite fait l'ambiance dans laquelle on est. De toute façon, je vous aurais mis des images du chalet. Je vous disais qu'on était arrivé hier, juste pour profiter d'une nuit, histoire de sortir un petit peu sur le quai. On a eu la suite romantique qui se trouve tout au bout de l'allée, avec petit déjeuner. Là, on revient du petit déjeuner. On est parti tôt ce matin. Vous savez, j'aime bien faire les choses tôt le matin pour pouvoir profiter du calme, avant qu'il y ait trop de monde, et au moins que j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire, en fait, donc sans stress. Là je prépare un petit bain. Aussi au sujet de la chambre, de toute façon je vous aurais mis des images, un petit tour et tout. Franchement elle est super belle. Cette ambiance chalet là, j'adore vraiment beaucoup. Et je vous aurais mis aussi quelques images de l'hôtel, de toute façon. Au vu du contexte sanitaire, on n'a pas pu dîner au restaurant parce qu'il faut le pass sanitaire. Et la piscine principale aussi, il faut le pass sanitaire. Moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé en soi. On a le bar room ici et on a la possibilité de faire un room service si besoin. Je suis sûre que quand je vais réécouter ça, le bruit des poules et des coqs dedans, ça va pas être possible. Mais je suis obligée de le faire à dehors parce qu'à l'intérieur il n'y a pas assez de lumière par rapport à la caméra. J'ai pas mal de choses à faire ce week-end, il faut que je finisse mon petit bureau, il faut que je finisse le montage des 3 vidéos parce que du coup je me retrouve avec 3 vidéos tellement je me suis laissée aller. Il va falloir que je m'occupe de mes plantes. Je vous reparlerai de mes plantes dans une autre vidéo à ce sujet là parce que c'est un peu la panique et je sais pas encore comment gérer ça, donc bref. Donc je vais aller profiter de mon dernier petit bain à Rémi. Dany est en train de se reposer aussi. C'était assez compliqué hier soir avant de trouver le sommeil parce que on a eu des voisins de chambre très bruyants, pas très respectueux et qui se sont cru seul au monde, j'ai envie de dire. Et puis on a eu un truc un peu bizarre. L'explication rationnelle de Dany, c'est que l'évacuation d'eau passe sous les chalets. Et donc ça fait trembler un peu le chalet et du coup les portes, etc. L'explication irrationnelle de Ornella, c'est qu'on n'était pas tout seul. Mais c'était pas méchant. Donc à vous de juger si c'est rationnel ou irrationnel. Mais en tout cas, on s'est retrouvé avec un lit qui tremble, des portes qui vibrent, on n'a pas trop compris. On va dire que c'est les canalisations, d'accord? Comme ça rassure tout le monde. Et donc voilà. Mais sinon c'était un petit séjour bien tranquille, bien reposant. Hier soir on n'a pas spécialement mangé, on s'est fait une petite assiette de fromage, un petit vin rosé. Acheté par nous-mêmes, hein. On n'a pas pris avec l'hôtel, on a tout acheté nous-mêmes. Je vais aller profiter des derniers moments. Et je vous laisse avec les belles images de l'hôtel. De ce magnifique endroit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez ce vlog. Et on se retrouve très vite. Thank you.